À 17 ans, il était garçon boucher avec sa volonté, son charisme et son talent, bien sûr. Il a pu réaliser son rêve. Aujourd'hui, Steve est un artiste complet, comédien, metteur en scène, producteur. Nous l'avons suivi entre deux spectacles chez lui à Paris. En 30 ans de carrière, il a dirigé 29 pièces de théâtre et dirigé les plus grands acteurs français. Être ou ne pas être acteur, Alain Hamard, Pauline Lorban et Juliette Bondil ont trouvé la réponse. Se battre. Action, action. Ne rien lâcher. 1, 2, 3, bloc. Voilà. Ne jamais ménager ses efforts. Rester dans le rythme pour faire de sa vie un espace de bonheur. Ah, il frappe, hein. Il frappe très fort, ça punch, hein. Une énergie vitale pour Steve. Le combat, c'est de se battre avec ses démons. Le combat, c'est de se battre avec la fausse lumière. C'est le dépassement de soi. C'est-à-dire, c'est l'énergie du corps qui la donne à la tête. Et de se dire, on monte sur scène, on raconte des histoires qu'on n'ose pas vivre dans sa propre vie. S'il a voulu mener sa vie comme on mène un combat, c'est par choix, pour devenir un artiste et diriger de grands comédiens. De passer du premier acte au deuxième acte, comment on fait? On change de costume, on change... Non, on change d'état, on change de façon de penser. On est fait en plusieurs bribes, nous, êtres humains. D'accord. C'est entre les Folies Bergères et les commerçants du Faubourg Montmartre, dans ce quartier populaire de Paris, que Steve, garçon boucher à 17 ans et vivant avec ses grands-parents, rêvait de prendre son envol. Je suis né là. Numéro 17. J'ai grandi là. Ma chambre, c'était la cage d'escalier. Il a usé ses fonds de culotte sur les fauteuils des cinémas du quartier et la moleskine des bistrots. Là, c'est où tout a commencé. D'un côté, il y a les honnêtes commerçants comme mon grand-père, comme mon père, qui travaillent jour et nuit, 15 heures par jour. Ils veulent protéger leurs enfants, leur famille. Et de l'autre côté, il y a les voyous, les frères Zemmour, les gangs des postiches. Et au milieu, il y a Lisette Malidor, les danseuses. Et nous, on est là, à cette table. On est cinq potes d'enfance, il en reste plus un. Et là, je regarde cette façade et je me dis, la seule chose qui peut me sauver la vie, c'est de faire un métier pas comme les autres, c'est d'être un artiste. C'est de me servir de mon destin ordinaire pour avoir une vie extraordinaire. Sa vie, il la balade encore dans le faubourg. Il s'appelle Raymond. Un quartier dont il connaît chaque recoin et où chacun le reconnaît. Ça va bien ? Ça va, toi ? Une vie hors du commun qu'il a consacrée comédien, metteur en scène, mais sans qu'il n'ait jamais oublié ses racines. Dès que j'ai un moment de répit, dès que j'ai besoin de retrouver mes racines, dès que j'ai besoin de... Voilà, je suis avec ces gens-là, parce que ces gens-là, c'est les gens vrais. Allez, viens, Manou. Ça va ? Voilà, c'est le café qui trinque avec le rosé. Et toutes ces années de 15 ans, de 20 ans où j'ai galéré parce que j'étais écorché vif, toutes ces années, je l'ai béni aujourd'hui. Ça fait 35 ans que je fais ce métier. Ça fait 5-6 ans que ça sourit un peu. Mais toutes ces années, c'est ces années qui m'ont construit. J'ai compris que sans humilité, j'avais rien pour être en vie aujourd'hui. Steve enfourche aujourd'hui une bonne ville pour tracer sa route. Encore un rêve réalisé. La moto d'une star dont il porte le prénom Steve McQueen, le prénom que lui a donné sa mère. C'est pas un hasard si elle m'a appelé comme ça. Et un jour j'ai vu la grande évasion et ça se rapprochait un peu de la grande évasion de ma propre vie à moi. Ça me permet de me cramponner à mon destin, d'essayer d'aller plus vite, de ne pas avoir envie qu'on me dépasse. Encore ado, avec un peu d'argent et sa rage de vaincre, il s'inscrit au cours Florent. Francis Huster devient son prof, lui apprend toutes les ficelles du métier. Il rencontre des célébrités qui lui confient des rôles, des mises en scène. Et il finit par écrire et produire ses propres films, ses pièces, un opéra. C'est une partie des pièces, des films, des expériences, des aventures que j'ai eues. La descente d'Orphée, je reprends le rôle de Marlon Brando avec Marie-Josée Natte. Le premier soir, je suis tellement tendu, je suis tellement animal. Je travaille à Rungis à cette époque-là, je porte 8 tonnes de viande par soir. Je la prends dans mes bras, je lui casse deux côtes. C'est la couturière de la pièce. Donc ça veut dire des risques permanents, quoi. Ça veut dire sur le fil. Sur les planches du Théâtre Antoine, c'est lui aujourd'hui qui dirige Francis Huster dans Pourvu qu'il soit heureux. Si tu la regardes et tu lui dis, pas parce que toi, la différence d'âge, ça te dérange pas non plus. La différence d'âge, ça te dérange pas non plus. Non, m'agresse pas. Une direction d'acteur au millimètre. Ça vient bien. Mieux. Steve a été mon élève et maintenant, je ne suis pas son élève, je suis son acteur. Ça veut dire qu'avec lui, j'ai la certitude qu'il réagit exactement comme le public. Quelques minutes avant le lever de rideau,
Steve, comme un fauve en cage, vient renifler le plateau, jeter un œil discret sur le public et mettre en confiance ses comédiens. Et très vite, il s'éclipse sur la pointe des pieds. Je peux pas être assis dans la salle, moi. Je vois comment les gens réagissent et je fais tourner mon énergie tout autour du théâtre comme quelqu'un qui fait son pâté de maison. Le plus embêté, ça doit être Lipan. Non, je suis pas d'accord avec toi. Lui, il savait qu'il est au monde où on l'apprend, c'est pas pareil. Et lorsque le spectacle est terminé, que la salle s'est vidée, il retrouve ses comédiens, heureux de partager encore une fois leur succès, qui est aussi le sien.